Et bonjour tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce 11e épisode de Robocraft. Donc comme vous pouvez voir, il y a des changements. Donc cette page là me paraît un petit peu buggée, ou du moins c'est flou. C'est-à-dire j'étais pas comme ça, c'est un changement qui a fait il y a même pas 10 minutes. Mais c'est pas très bizarre, ou un bug, j'en sais rien. En tout cas voilà, par contre ici, on va voir ici, c'est ça marche bien. Donc il y a beaucoup de changements, comme vous pouvez voir, j'ai deux pistolets. J'ai que des blocs blancs. Parce que tout simplement, regardez, maintenant on peut acheter que des blocs blancs. Les plaques elles sont noires, d'ailleurs il faudra le genre. Ah, j'ai plus de plop. Donc voilà. Les armes, eh ben il n'y a plus que. On n'en a plus que deux. Regardez le robot, le truc là a énormément changé également. Il y a une grosse mise à jour. Donc là c'est à chaque niveau en fait, on va débloquer un truc maintenant. Et je vais maintenant plus vous expliquer en détail ce qui se passe ici. Attendez, d'ailleurs on va juste enlever une couche, hein, c'est pas grave. Hop, hop. On fera juste plus un peu plus vulnérable sur le côté, c'est pas très grave. Hop. Est-ce que ça suffit de ce côté-là? Oui. Voilà, c'est parfait. Simplement pour refaire de la place que j'ai fait ça. Donc on va rajouter ces plaques-là. Oui, c'est un nouveau véhicule que j'ai créé. Hein. Donc vous voyez, comme vous voyez, tout, mais absolument tout est blanc. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. C'est chiant. Donc, si on met comme ceci. On va le mettre devant, je pense. Comme ça. C'est parfait. Non, non, on se gâche trop le paysage. Même si c'est pas un paysage, mais vous avez compris quoi, ça gâche trop le véhicule. Là, sur le toit, pour éviter les attaques ennemies, c'est parfait. Hop. Ici, c'est mieux. Ça arrive pour moi-même, en fait. Ouais, elles sont un peu chiantes ces plaques là quand même. Au niveau de la forme. Donc voilà, on va mettre plus vers l'avant. Donc, comme ça. Voilà. C'est un peu moche. Enfin, voilà. Mais voilà. Donc maintenant, on va plus rajouter une arme d'ailleurs. Ce qu'ils ont manqué. Donc maintenant, on va tout de suite. Je vais tout de suite. Oh, je peux encore rajouter une. J'en ai que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça y est, après le 7ème. Et bah, on va les mettre là, celle-là, et celle-là. Parfait. Ouais, vous avez vu un peu? Magnifique. C'est le signe de mon véhicule. Donc, j'ai été. Est-ce que je pourrais rajouter vite fait un radar quand même? Combien de places ça prend? 10. Manque 4. Allez, 4, on peut arriver à avoir 4. On prend ça comme ça. Voilà. C'est parfait. C'est moche, mais c'est pas grave. Hop là. Donc voilà. Donc tout simplement, on va prendre tout de suite le deuxième pistolet. Donc on va voir celui-là, il sert à construire. D'ailleurs, c'est assez bien modélisé. On a le deuxième pistolet, regardez, on a une palette de couleurs qu'on peut tourner. Et tout simplement, regardez par exemple, on va mettre notre véhicule en rose. Regardez, attention, tada, magnifique, c'est beau. Donc tout simplement, on va mettre les roues en bleu, les roues et les pneus en bleu, enfin les roues et les chenilles en bleu. Vais essayer de faire à moitié un tracteur, hein, je vous le dis. On va maintenant prendre, je dirais, je sais pas, je trouve ça assez stylé quand même qu'ils aient fait ça, du noir, et on va faire... Hop, on va remettre ça en bleu, en orange, en bleu, en gris. Ah ouais, gris, c'est plus stylé. On va mettre ça en gris. Donc comme voilà, maintenant on va prendre du orange. Les plaques là, on va les mettre bleu, trop classique. En jaune. Ah ouais, jaune, c'est pas mal. On va prendre du orange et on va faire... Magnifique.
On va prendre. Je fais un peu n'importe quoi là, hein, je le dis. Non, c'est. Non, ça donnera pas bien. En vert, non. Jaune, on va faire jaune. Hop. Comme vous voyez, du coup, on fait des voitures, enfin des véhicules beaucoup, beaucoup plus beaux. Avec beaucoup plus de couleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les blocs les plus solides. Par contre, du coup, tout le monde aura les mêmes blocs, à n'importe quel niveau, on aura tous les mêmes blocs. On prend quoi? Marron, peut-être plus que si. Hop, on va faire un truc comme ça. Hop là. Parfait. Hop là. Voilà, c'est parfait. Magnifique. Et on va faire, pour finir, un petit coup de beige, comme ça. Et là, là, c'est sublime. Moi je dis, c'est sublime. Alors peut-être que... Ah, bleu ça pourrait faire pas mal je pense. Bleu, non, non, noir. Non, noir, ça, on a déjà trop de noir. Vert. Un bleu, allez bleu. Ah, bleu comme ça peut-être. Ah oui, bleu comme ça c'est mieux. Hop. Tout simplement celui-là il est pas comme les autres parce que sinon ça considère pas que ça touche le sol et donc ils sont en dehors du véhicule, donc je vais mettre ça comme ça mais c'est pas grave. Donc eh bien les gens, on va tout de suite faire une partie. Et d'ailleurs en parlant de partie, il y a un nouveau truc ici également. On a accès toujours à ces trois là, mais en plus on a accès à ces deux là. Magnifique. On va tout de suite commencer par celui-là, je le connais. L'autre ça se trouve je connais aussi mais je suis pas sûr parce que ça. Je crois pas que ça avait ce nom là avant, c'est l'autre mode de jeu que je connaissais. Donc ça se trouve ça sera pas le même. Là ça va être un mode de jeu, en fait le but c'est de détruire le truc adverse, la base adverse, on respawnera à chaque fois. Et l'autre mode de jeu que je connaissais mais je sais pas si c'est celui-là, parce que je me sens pas que ça avait le même nom. C'est un mode de jeu en fait où on est 4 non, on va être une quinzaine de bas niveau contre 4 haut niveau. Un truc dans le genre. Moi c'était ça. Donc je sais pas trop comment ça va être. On t'assurera l'autre mode de jeu juste après. En tout cas c'est cool qu'on ait accès à tous les modes de jeu. Bon alors par contre un petit peu long là tout de suite. Je sais pas pourquoi. Je vous retrouve dès que j'ai lancé une partie dansée parce que là c'est un peu long. Donc à tout de suite. Bon bah les gens, ça fait quasiment plus d'une demi-heure que j'attends, donc c'est un peu bugué je pense tout de suite, ou il y a trop de monde, j'en sais rien. Du coup on va tout de suite aller en single player, et ça va être beaucoup plus simple. Allez c'est parti. Notre véhicule est quand même particulièrement moche, on peut le dire. C'est atroce. Par contre, même là, ça commence à bugger, ça va poser problème. Ça va poser énormément de problèmes. C'est un peu galère. Je vous retrouve dès que j'ai pu réussir en faisant une partie, que ce soit solo ou autre. Allez, à tout de suite. Eh bien, re tout le monde, on se retrouve sur un Team Dispatch, finalement, parce que c'est le seul que j'ai réussi, enfin que je suis réussi à aller dessus. Et on est tous premium. Oui. Non, en vrai, voilà, simplement on est premium, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'avais réussi à avoir des premiums pour 20 heures. Encore, pour une journée, on avait eu un premium faire pendant pour une journée, et pas que nous apparemment. Donc c'est cool. En tout cas, c'est particulièrement cool qu'on ait réussi à trouver une partie. Je le dis, je suis content. Je trouve qu'ils ont acheté des maps, enfin là je peux, mais c'était une tellement grosse mise à jour qu'il y aura encore beaucoup plus de changements, style des maps rajoutées, des trucs dans le genre, j'en sais rien, hein. Je me fais peut-être des illusions, mais... Alors j'ai deux pistolets qui sont complètement rien, parce qu'ils sont cachés par les signaux. Tu peux pas me battre ma beauté de mon véhicule. Non, l'orange, t'as vu, vous avez vu, il est un peu dans les mêmes environs que moi. Allez! Allez! Ça a bugué!
Oui, on est content. Pour une fois que j'arrive à en trouver un, ça bug. Mais oui, pourquoi pas. Allez, je rentre dans une partie, ça bug. Mais oui, bien sûr. Allez. C'est un petit peu cher quand même, hein, je le dis. Donc on va tout de suite se relancer une partie. Je vais retester on sait jamais les deux autres modes. Si jamais ça marche pas, eh ben je vous retrouve encore sur une partie de Team Deathmatch. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde se retrouve donc sur un Team Deathmatch. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai réussi à entrer dans un Team Deathmatch en, écoutez bien, accrochez-vous bien, 11 secondes. Alors que tout à l'heure j'ai attendu au moins un quart d'heure, voire 20 minutes, là j'en suis à 11 secondes et c'est rentré. D'ailleurs je suis même pas rentré d'ailleurs. Et là en 11 secondes, je suis rentré. J'espère que ça n'a pas bugué parce que là c'est une chance qui s'offre à moi. Non, je pense plutôt que c'est le serveur qui s'est débugué. En tout cas c'est cool, donc vous voyez, chaque équipe enfin, doit protéger ça. Et doit battre le truc ennemi, enfin, l'endroit ennemi. On peut capturer ça pour avoir un bouclier également. Des trucs comme ça, donc je vais le faire là. Allez, c'est parti. Allez. Vous pouvez voir si mon véhicule lève un peu le train avant quand il accélère. C'est pas un peu loin que c'est ce truc. Si je crois. Normalement, ça devrait faire nous donner un bouclier. Je crois. Il me semble. Un véhicule violet devant nous. Qui s'appelle Last Truc Chouette. Et c'est une partie où on respawn. C'est ça qui est bien. On pourra prendre des risques. Parfait. Normalement, on a un bouclier. Voilà, on a un bouclier, c'est-à-dire que si on tombe là-bas, on régénère. Et on peut pas être attaqué quand on enfin, peut pas attaquer à travers les ennemis. Hop, capturons ça. On va peut-être capturer ça plutôt. Touché. Allez! Attaque! On va leur faire mal, vous allez voir. Allez, 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 allez. Moins 3 secondes, je sais pas à quoi ça sert les moins 3 secondes, moins 1 seconde là-bas. Allez, crève. Va attaquer. Je me suis fait attaquer. Ah ouais. Aïe. Font mal. Mais ils sont solides ces blocs quand même. Là, je pense qu'il va vraiment falloir jouer sur les armes. Aïe aïe aïe, j'ai pris tellement cher. J'ai quand même réussi à abîmer leur truc, je suis fier de moi. Voilà, vous pouvez rien dire. Hop là, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait un alliage roue et chenille qui marche très bien, je trouve. Pour avoir vitesse et accrochage. Je pense qu'en fait, on va la vitesse des chenilles, hein, je vous le cache pas. Oh le salaud, oh le salaud. Ils sont beaucoup! Ils sont beaucoup! Ah bah je me suis fait bien déglinguer. Par contre là, du coup il n'y a plus qu'à plus de sièges, vous voyez, il n'y a plus de sièges, il n'y a plus rien à protéger. Donc c'est cool, mais par contre je sais pas tellement comment. Oh, je vais avoir la méga idée du siècle. On va faire un véhicule miniature. Moi je régène, et pas toi. Parce que moi je suis quasiment tout seul à ma base, et pas toi. Tu n'es pas tout seul à ma base. C'est cool, hein. Crève. Hop là. Crève. C'est parti. On a encore notre bouclier, on a de la chance, parce que sans ça, on serait un peu dans la merde. Ouais, donc en fait, mon véhicule, il est carrément moche, mais bon. Donc voilà, on va pouvoir faire des véhicules miniatures maintenant, il n'y a plus rien à protéger au niveau... Enfin, voilà, on va pouvoir faire des véhicules miniatures, ça c'est cool. Ah, par contre, on a pris beaucoup plus de dégâts que eux.
au niveau de notre base principale. 195%. Je sais pas quoi ça revient, tous ces trucs. Crève! Hop là! Et au fait, le temps de respawn va être de plus en plus long, hein, je vous le dis. Apparemment, je me suis fait repérer. On va se mettre là-dessous, ça peut protéger le bouclier là. Ça protège déjà de l'aérien. Allez! On va pouvoir détruire bout par bout. Je connais un peu la technique. Maintenant, on va détruire là-bas. Et normalement, ça devrait décoller tout un endroit. D'un seul coup. C'est pour plus de rapidité, regardez. Là, si je fais ça, normalement. Ah, bah non, ça ne marche pas. Ça marche plus pareil qu'avant. Parce que je croyais que j'étais un peu en contact, normalement, ça tombait. Peut-être qu'il faut détruire. Voilà, c'est ça. Il faut détruire la couche du dessous. C'est ça le truc pour détruire la couche du dessous pour faire casser plus vite. Hop. C'est parti. Est-ce que ce sont les deux par hasard? On s'en fiche. Faut le casser le plus possible. Niqué. Allez. Comment je l'ai recapturé? Ça va nous faire gagner masse de temps. Ils ont plus de bouclier. Si, ils ont encore un bouclier. Oh, c'est dommage. Ah, lui, son véhicule, il est pas mal harmonie au côté des couleurs. Ouais, c'est moche. Ouais, c'est moche. Ah, moche. Ouais, le bouton blanc, c'est pas mal aussi. Ok, c'est parti. Ah. Allez, on va essayer de recapturer ce truc là-bas. Hop là, touché. Il va pas tenir longtemps. Ah, allez. Tiens, toi, je t'avais pas vu, toi. J'étais juste devant mon nez, mais je t'avais pas vu. On se cache. Wow. Ouais, j'ai l'impression d'avoir accéléré. Ah, ça va aller vite à ce que c'est cela. Je pense qu'on va les régénérer. Allez, c'est parti. Oui. Qui m'a régène? En tout cas, merci à ceux qui m'a régène. Faut aller recapturer celle là-bas. C'est parti. Il y a quelqu'un par là. Hop là, touché. Toujours lui que j'arrive à bien exploser à chaque fois. Il a un véhicule un peu naze. Je tiens à le dire. Je sais pas ce qui fait que nos véhicules cassent. Je pense que c'est quand on est à 0% qu'ils cassent. Ça doit être chier de rester à un cube. Hop. Hop. C'est parti. Tiens. Voilà. Oh, comment la recapturer en 2 secondes. Il m'a quand même pas mal aidé. Hein. La dernière fois, j'étais beaucoup plus long que ça. Et ils ont plus de bouclier. Là, ça va être bien. Ils ont plus de bouclier, donc on va pouvoir bien les exploser même à leur base. Sinon, ils auront plus de régène. Par contre, c'est bizarre, des fois on a des restaurations. Parce que okay, je sais très bien qu'il y a des pistolets qui soignent, mais il y a des restaurations. Mais par contre, là c'est bizarre, j'arrive plus trop à tourner. J'ai des problèmes pour tourner. Ah, c'est à cause de l'accélération, ça. Allez, crève. Donc, c'est bon. Ok. Oh. Je vais me le faire un maximum.
J'ai réussi à faire baisser un peu, mine de rien. On rigole, mais bon. Ah, par contre, oui, ils ont mis son bouclier, donc ouais, j'avais juste aucune chance. What? C'est quoi ce véhicule tout jaune? Il est où? Il est où? Il est où? C'est un véhicule ami. Je crois que je l'ai suivi. Tout jaune. On va voir au soleil. Non, il est blanc, lui. Quoi qu'il est jaune. Non, il est jaune. Il sert à rien d'y aller directement comme ça s'il n'y a pas de, s'il y a encore de bouclier, moi, je trouve. Hein, parce que bon. C'est parti. Allez! Hop là, il y a quelqu'un qui arrive. C'est lui le tout jaune. Allez. Crève. J'ai enlevé son arme. Crève maintenant. Allez. Je vais me charger les deux en même temps, par contre, il va falloir m'aider. Allez, crève! C'est pas possible! Il va donc jamais crever! Ah, ça y est. Faire crever l'autre maintenant. Merde, je suis bloqué. Voilà. Vraiment tout faire, hein. Donc, c'est parti. Ils nous ont juste fait très mal, mais nous, on leur a fait encore plus mal, donc c'est pas grave. Par contre, c'est un peu dommage, je trouve qu'ils n'enlèvent pas les boucliers, les gens. Bon, j'allais le faire. J'ai l'impression qu'on a fait mal de suite, on a peut-être un peu encore dominé. Hop là, c'est parti. Oh, il y a quelqu'un qui arrive chez nous. On va le laisser, on va le laisser. Il y a des gens qui vont faire respawn bientôt, je pense. Tant qu'on va vite, regardez, on a les recollés au sol. Par contre, on a des problèmes au niveau d'accélération. Quand on a l'accélération, ça se lève un peu, mais. Soit ça accroche mieux, du coup, enfin, je pense que c'est la meilleure accélération, les roues arrière. Je pense, je suis quasiment sûr à vrai dire. Hop là, allez, c'est parti, on va détruire ça. On connaît la technique. Allez. Allez, là, tout ça en moins. Allez. Non, mais non, mais non, bah. Allez. On va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Oui, j'ai réussi à tout détruire. Ils ont encore un bouclier, malheureusement. Il a réussi à récupérer le truc là-bas, le gars. On va tout à l'heure récupérer, on va pas le laisser à la main ennemie. Oh non, on a perdu, voilà. Voilà ce qui se passe quand on a perdu, tout simplement, il y a tout qui explose. On va essayer de tester notre mode maintenant. Bon, c'est dommage, on y était presque. Ok. J'ai fait combien moi? Je suis où? Il n'a eu que 5 kills, 4 10, 2 assists, 3441 dommages et 1137 en score. Maintenant, on a gagné d'argent. Regardez où on en a pris en temps parce que mon timer c'est. Légèrement, enfin, j'ai légèrement laissé mon timer avancer sans rien du tout. Donc, finalement, nous allons pas tester l'autre mode. Nous allons regarder pour la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.